Shabbatov, parasha de Halotecha, la parasha de Bitachon par définition, puisque la parasha nous raconte, je vais dire rapidement, je vais expliquer après ce que je voulais dire, la Torah nous raconte dans le vie où il y a marqué, où le fils est à l'autre et à Anan mais à la Ohel. Dès que la nuée se lève au-dessus du Ohel, de la tente, et quand la nuée se repose, c'est clair, on l'a expliqué. Deuxièmement, selon les simanim d'Hachem, ils vont partir, ils vont se poser. Tant que la nuée reste sur le Mishkan, ils campent. Mais ça dure longtemps. Mais Shamou bnei Yisrael, Mishkan et Hachem, ils ne partiront pas, la nuée ne part pas. Parfois c'était quelques jours. Selon l'ordre d'Hachem, ils partent. L'ordre d'Hachem, ils restent là, ils viennent, ils partent. Parfois, les Anan restent seulement du soir au matin. Ils sont arrivés déjà, ils repartent. Parfois c'est un jour et une nuit. Parfois ils attendent. Un jour, deux jours, un mois, un an, de Harry Hernan à la Mishkan, Nishkon à l'Av, Yachan Meïsel, Isaou. Et on termine une dixième fois. Alpi Hachem, Yachanou, Alpi Hachem, Isaou, et Mishvet, Hachem, Shamou, Alpi Hachem. Le Ramban explique longuement pourquoi la Torah nous répète tellement cette phrase, Alpi Hachem, Yachanou, pour nous dire la Emouna d'Ibn Yisrael. Nous savons, c'est marqué dans Parashat Masseï, les 42 Massaot que les Bnei Yisrael ont dû passer, le nom des 42 Tachanot qu'ils ont eu pendant les 38 ans qu'ils ont marché dans le désert, 40 ans. Et un endroit où ils ont fait 19 ans, à Kadesh, d'autres endroits où ils sont restés. En tout cas, il y a 42 Massaot. Et 42 Massaot, dit les Sfarim, correspondent aux 42 lettres du Shem Agadol qu'on trouve dans Anna Bekoar, 42 lettres, ils correspondent aux 42 Massaot. Il y a même une Sgoula, qu'on dit en cas d'épidémie mondiale, on a dit pendant toute la période du Corona, où on fait correspondre chacune des Tachanot à une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont tourné dans le désert selon la construction Rouhanit qu'ils devaient faire. Il y a un endroit où il devait créer la Kedusha de telle lettre, un endroit où il devait créer de telle lettre. La Kedusha avait des raisons exactement pourquoi il les a fait attendre ici deux jours, pourquoi cinq jours, pourquoi un an. Chaque endroit où le juif se trouve, la Kedusha attend de lui quelque chose, il y a ici un tikkun à faire, il y a ici une raison pourquoi tu es là. Un homme doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis à l'endroit qu'Hachem voulait. On n'a pas besoin, nous, de connaître le pourquoi, on doit savoir, Api Hachem Yacham. Si Hachem m'a amené ici, il sait pourquoi. Si Hachem me fait partie d'ici, il sait pourquoi. Les faire confiance. Akadosh Baruch Hu dirige ta vie. Ça, c'est la base. N'importe quel juif qui a du bitachon. On essaie une fois, il y avait une histoire avec un mot de programmeur. Il était en train vendredi après-midi et il devait aller jusqu'à Varsovie. Puis ils ont oublié de descendre à Tachana. La gare, il était en train de parler des vrais Torah avec son voisin, pas fait attention. Évidemment, le train est parti. Il a dit la prochaine gare, elle est à 400 km, on va arriver juste avant Shabbat, dans un village, il n'y a pas de juifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le Rav a dit à son interlocuteur, si Hachem nous a amenés, il sait pourquoi il nous amène. Nous, on ne sait pas où on va, mais Hachem, il sait où on va. Nous, on n'ira pas à l'endroit où nous on voulait, on ira à l'endroit où Hachem voulait. Fais-lui confiance, vas-y tranquille. Un juif doit vivre avec. Sans angoisse, on doit savoir, Hachem m'amènera là où il pense c'est bien pour moi. Combien de jours je dois rester là? Combien d'années? Quel tikkun je dois faire? Tu verras. Il dit qu'après Moïse Grodzinski était parti, c'était le grand rave de Vilna, le plus grand procès de la première moitié du XXe siècle. Un très grand rave. Et puis il était le rave de Vilna, il était le rave de toute la Lituanie, toutes les chélots du monde arrivaient chez lui, c'était le procès du XXe siècle. Après Moïse. Il était parti, il avait besoin d'une cure thermale, il avait des problèmes de santé. Il était allé à Karlsbad en Allemagne, je crois que c'était là-bas. Et puis, il n'a pas pu rentrer pour Rosh Hashanah. Il devait rentrer avant Rosh Hashanah dans sa Keïla. Il a été coincé. Il a dû passer Rosh Hashanah et Kippour là-bas. Donc, Rosh Hashanah avait un minyan de petits juifs.
Et il a dit, si Hachem m'a laissé ici, il y avait une raison, je ne sais pas, je lui fais confiance. Et effectivement, là-bas, un monsieur qui est venu d'Amérique, qui était passé les fêtes là-bas, aussi Rosh Hashanah et Kippour, monsieur pas du tout religieux, un brave juif. Et puis, il a abordé, sympathisé avec le Rav, il n'y a quand même pas tellement de monde à la chou, on peut se parler, enfin, pas pendant la fila, mais il a parlé. Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, moi j'habite en Amérique. Ah bon, pourquoi tu es venu? Pour faire une cure thermale. Non, tu n'es pas venu pour ça. Non, mon frère est mort en Russie, et puis il a laissé une veuve avec 5 enfants. Et comme moi je ne suis pas marié, je lui ai dit, je viens te chercher, on se marie, on va habiter en Amérique ensemble. Et il dit, toi, tu n'as pas de panassa, moi j'ai pas de femme. Ah, ouais, je vais continuer, continuer la vie, c'est dommage. Toi tu es seul, moi je suis seul, voilà, on va se marier. Le Rav a dit, mais c'est chétard, vous n'avez pas le droit. Arrête tes roumots, arrête tes bêtises. Et le Rav vient insister, mais on ne peut pas, maman, c'est Rav Karet, c'est la femme de ton frère, tu ne peux pas la prendre. Il a dit, mais si, on peut se marier avec la femme de ton frère, c'est marqué à toi, c'est des bêtises, moi, je ne sais pas. À la fin, ils ont tellement disputé, il lui a dit, tu sais quoi? Si Repraï Moïser me le dit, alors je le crois. Il a sorti sa carte, et bien c'est moi, Repraï Moïser. Repraï Moïser a dit, maintenant je sais pourquoi Hachem voulait que je reste ici. Il y avait un juif d'Amérique qui avait besoin. Repraï Moïser, que Kadosh Baruch Hu m'a amené jusqu'ici. Enfin, des fois on ne comprend pas pourquoi, des fois on comprend, après on comprendra avec le temps. Pas toujours on comprend, mais la première condition d'un homme, c'est de ne pas s'énerver, s'angoisser, de qui le calme. Kadosh Baruch Hu, il t'est ou il t'amène, c'est pourquoi tu vas. Et on doit accepter les décisions de Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la grandeur du Hamitzvah. Pi Hashem Yachanu, Pi Hashem Yisrael. Ça c'est un truc connu, c'est le Ramban de la Paracha. Et donc sur ça, on n'a pas de. Ah ben, je vous n'ai rien appris de nouveau. Mais en tout cas, ce qu'il faut apprendre, c'est ce que je vais réfléchir maintenant. Alors, est-ce que ça sert de prier? Est-ce que c'est justifié de prier? Pourquoi je prie? Si Hachem veut comme ça, eh bien, va cacher, caparata mon autre. Mais ça, il sait pourquoi. Pourquoi je prie quand je n'ai pas envie? Ouais, je vais dire exactement quand c'est que j'ai posé cette question, moi, dans ma vie personnelle. J'ai eu des problèmes de santé chez mes enfants. Alors, je dois prier, je dois l'accepter. À côté, je me dis, bon, c'est Hachem veut comme ça, il sait pourquoi. Caparat à mon autre, c'est pourquoi je vais prier. Hachem, il sait mieux que moi. C'est Gamzou le Tova, c'est Tov, ça veut dire Tov. C'est Tov, c'est Tov. De l'autre côté, je vais prier. J'ai tourné là-bas à l'époque, c'était il y a 50 ans à peu près. Chez tous les rabbanim que je connaissais, je suis allé voir des Admour, de Hamchinov, des Admour du Gour. Posez ma question, Rav, dites-moi, on prie ou on accepte? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Bon, avec le temps, j'ai un petit peu. Voilà, je vous dis un petit peu où j'en suis arrivé sur ça. On voit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu meurs dans le désert. Tu rentres pas en Eretz Israël. Va être Hanan, il a fait 525, tu es au 515, la Gmatria de Va être Hanan. 515, je crois, compter. La Gmatria de Va être Hanan de Tfilot pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Marche pas, il n'a pas accepté. Il a supplié. Il a demandé. Hachem m'a pas accepté. Ça veut dire que c'est pas. On ne peut pas dire, puis Hachem Yachanou, Hachem a dit ici, ici, c'est ici, bon, ben c'est ici, c'est pas grave. Non, il faut se battre. Alors, des fois Hachem veut, des fois il ne veut pas, mais au moins tu dois prier. De l'autre côté, on te dit, fais-moi confiance, Gamzou le Tova, je sais ce qui est juste, c'est bien pour toi, si tu pries, tu vas avoir des choses qui ne sont pas justes. Et il y a des choses où à Kadosh Baruch Hu il dit, si tu ne pries pas, tu ne l'auras pas. Kilohim tir, Hachem Elohim. La pluie ne viendra que grâce à la tfila. S'il n'y avait pas de tfila de Geshem, il n'y aurait pas eu de pluie. Ah lui, ben Hachem, il sait ce qu'il fait, hein, moi je le laisse faire. Ah, c'est plus la peine de prier. Quand c'est qu'on prie? Quand c'est qu'on ne prie pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors un petit peu, je vais vous dire un petit peu mon sikoum. Je ne suis pas. Ce que je vous dis, ce n'est pas écrit, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais c'est mes conclusions. Je dis comme ça. Lorsque tu pries. Pour faire une mitzvah, tu dois prier. Un monsieur, il n'a pas de matzot. Bon, Kadosh Baruch Hu voulait. Comment est-ce que vous voulez? Mais tu te battes pour des matzot. À prier, demande. Mon cher Ben, il va rentrer en Etzel, il ne voulait pas rentrer pour faire du tourisme. Ave mitzvot, et un mot de Etzel, ok, un petit peu, je veux faire des mitzvot, la Hachem. Et des mitzvot que je n'ai pas faites. Si c'est pour faire une mitzvah, il faut prier, il faut supplier. La Gemara dit à Zot, il parlait de Kol Chassid pour trouver un chidour. Il ne faut pas dire Hachem, il m'enverra ce qu'il voudra. Je dois prier. Je dois dire que je dois aller me mettre sur la place du marché pour chercher. Ce n'est pas ça que je dis. Allez, vous voyez dans le métro s'il y a des trucs, ce n'est pas ça qu'il faut. Mais il faut prier à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, il va au nord, au moins un chidour qui me correspond.
Ah, mais de toute façon, Arbaïm Yom, l'Ifnei Yetzirat Tablab. Non. Il y a marqué dans la Gemara, on a le droit de se fiancer même à Tisha B'Av. Shema Ilkad Menu Acheb Rahmi, parce que s'il y en a un autre qui va prier, et il va te l'apprendre. Non, je ne sais pas que la fille là, tu peux changer les choses. Et comme c'est pour une mitzvah que tu veux te marier, tu dois prier pour ça. Dire à Kadosh Baruch Hu, je te demande de me trouver une personne qui corresponde à mon shidur. La même chose avec Maradi pour le limoud. Trouve-moi une yeshiva, trouve-moi une chavruta, trouve-moi un rab qui me comprenne, que je comprenne, et puis que je puisse vivre avec lui, etc., que je puisse profiter. Je ne peux pas dire, bon, écoute, si Hachem m'a envoyé dans cette yeshiva, et ben, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est comme ça. Je veux que tu te battes. Pas demander, prier, supplier, ça c'est. Mais 515 tuyotes, il faut faire. Peut-être que s'il s'agit d'une mitzvah, d'une rouchaniout, le jbourg attend que tu pries. Il ne veut pas que tu te résignes. Il n'est pas là pour se résigner, il est là pour se battre. Si quelqu'un il dit, j'ai pas d'argent, bitachon, quoi la colle, c'est. Ça veut dire, j'accepte ce qu'Hachem m'envoie, il me dit, vivre avec moins d'argent, vivre avec moins. Avec plus, comme il veut. Mais quand il dit, j'ai pas de matzot, tant pis, si Hachem ne veut pas que j'ai pas de matzot, eh ben, tant pis, non, il veut que tu te battes, tu vas aller chercher. Il y a un effort, j'ai pas de téfiline, ben on cherche, il n'y a pas, attends, pas comme ça. Hachem, il veut que tu te battes, alors il veut te battre, après avec la tuya. Pas à se résigner. Résigner, c'est quand c'est des choses de la masée. Chose de la masée, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu dors comme ça, eh bien, c'est là, je dors comme ça. Pas naf comme ça. Tu aurais peut-être préféré avoir un tout gros Simon, ça s'appelle, un tout gros matelas. Mais s'il m'a mis un matelas, on dirait, je suis calme-toi, je vais pas commencer à supplier, mais à Kadosh Baruch Hu, je veux un matelas, mais arrête d'être bête, t'as donné ça, tu dis merci, et puis c'est tout. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien pour toi. Ça, oui. Quand c'est de gâche-miout, on prie pas pour ça. Une condition. Ça, c'est une des situations dans lesquelles il faut prier. Si quelqu'un veut prier, parce que c'est nécessaire pour une fois. Deuxièmement, tu vas voir un Admour. Et il te fait un miracle. Ça existe, il y a des Admourim qui savent. Quand j'étais chez Rafshach, il m'a dit c'est un métier. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il m'a dit comme des coordonnées, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent. Et il peut te faire un miracle. Mais comment il fait un miracle? Tu vois, chez Baba Salé, c'est Renaud Livracha. Et puis. Il servait la bourra, et il y en avait, on servait, c'est pas de la bourra, c'est un isette, je crois, c'est pas ce qu'il servait. Maria. Et il servait la maria, et sa bouteille se finissait pas. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Plein d'histoires comme ça, plein d'histoires de tzadikim qui font des miracles. Pourquoi ils font ça? Il y a marqué dans Mishnah en Pirkei Avot, il dit, je t'amèche be tagachal, si quelqu'un fait des miracles pour se sortir son bien-être, il mérite de mourir. Ne touche pas à la Kabbalah pour ton bien-être. Je suis pressé, je vais faire hop, et puis j'ai cuit de Satan derrière. Non, Denis, c'est pas comme ça. C'est pas fait pour ça. Ne touche pas. Si tu veux faire un Kiddush Hashem, si tu crois qu'à travers la tfila que tu vas faire, ou les tfilot de la Kabbalah que tu vas faire, tu vas amener quelque chose, et que ça va amener un Kiddush Hashem, le rôle d'un juif, c'est de Kadesh Shem Shemayim. Le Shmur veut que tu le fasses. Donc les Admorim, parfois, s'ils sont sincères, je suppose, j'imagine, il y en a, que ce qu'ils veulent, c'est créer un Kiddush Hashem. Créer un Kiddush Hashem, que les gens voient que Yesh Elohim Baolam, Yesh Elohim Beisrael, que Kadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas, que Kadosh Baruch Hu il écoute les tzadikim, qu'il tient compte de ce qui se passe, que Kadosh Baruch Hu est présent. C'est énorme. Alors vadaï que dans ce cas-là, je dois prier pour demander à Kadosh Baruch Hu un miracle. Ça, c'est une deuxième situation. Donc, si ou bien on prie pour une mitzvah, ou bien on prie pour un Kiddush Hashem, pas d'ailleurs, c'est juste. Une fois, un monsieur, une troisième histoire, qui marchait sur la route nationale, il y a des brigands qui sont venus, oh, les mains, monsieur, la bourse ou la vie. Bon, de toute façon, tu as une bourse, on te prend la vie aussi, on te tue. Sinon, tu vas nous dénoncer, alors, il va prendre son argent, il va la tuer. Alors, il a dit, d'accord, tuez, s'il vous plaît, laissez-moi juste le temps, je fais Birkat Alvana. C'est Motzei Shabbat, je fais Birkat Alvana. Et c'est marqué dans Mishavua, c'est dans le Baï Reite. C'est marqué là-bas. Laissez-moi faire Birkat Alvana, et après, oui, je ne vais pas mourir comme ça. Il a dit, bon, allez, fais Birkat Alvana. Et puis il a dit, au moment où il a dit, Tipol, allez, mais Mataba Faha, il s'est envolé. Et puis il est parti, il a atterri plus loin, et puis ils n'ont plus retourné. Voilà l'histoire. Ça veut dire, par la tuila, que de Jbou veut faire des Nissim. Ça, c'était quoi? Il ne voulait pas. Un Kiddush Hashem, il ne voulait pas pour une mitzvah. Il voulait simplement vivre. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi vivre. Et à Kadosh Baruch Hu lui a donné aussi. Pourquoi c'est comme ça? C'est si quelqu'un le veut vraiment, je veux
et tu le demandes, je vous le donne aussi. Est-ce que c'est bien ou non? Akadragmara peut prier, obtenir quelque chose. Tu l'auras. Tu n'as pas dit que c'est pour ton bien. Tellement demandé, on te donne. Tu veux tellement, il te donne, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Mon fils, il veut du chocolat, il demande un chocolat, mais c'est pas bien pour toi, je lui explique 5 fois, c'est pas bien. Eh ben, je vais aller, tiens, prendre du chocolat. C'est pas une récompense, c'est une punition. Il faut accepter, ton papa, il sait mieux que toi, il t'a dit que c'est pas bon le chocolat, c'est pas bon, pourquoi tu insistes? Des fois, donc, c'est une fille-là qui est mal passée. Je ne dis pas, ce monsieur du mariage. Et Katalvana, il avait prié, il a raison, il veut vivre. C'est-à-dire, si je veux quelque chose vraiment, je le demande, ça aussi, achète le don. On peut prier. Il y a une Mishnah qui dit, assez Rotsoncha ki Rotsono. Batel Rotsoncha mi Rotsono. J'ai aucune envie, sauf la volonté d'Hachem. Mais je ne suis pas à ce niveau-là. Il y a un enfant qui est malade, j'ai envie de prier pour qu'il soit en bonne santé. Même Hachem décide, c'est comme ça, c'est bien, d'accord, c'est bien, mais moi, j'aime pas. J'aime bien autre chose. Alors, ce n'est pas que je conteste. Je dis à Kodesh Boro, change ton programme. C'est quelque chose de... C'est un peu dire, ça veut dire comme ça. Le Khatrila, tu peux prier, si c'est pour un Kiddush Hashem, tu peux prier pour un... Ou pour pouvoir faire des mitzvot. Mais il y a des choses de prier parce que ça t'arrange à toi. Je veux absolument aller habiter à Londres. Pourquoi tu veux habiter à Londres? J'aime bien les Anglais, j'aime bien, voilà, Buckingham Palace, je sais pas, j'aime ça. Aller la prier, la supplier. C'est pas fait pour ça, Khatrila. Mais si tu demandes, et que tu le fais, et des fois, Kodesh Boro t'exauce, pourquoi pas? Il demande, je dis, c'est pas, la tefila existe, on peut changer les choix d'Akadosh Baruch Hu dans la mesure où la tefila, elle peut passer au-dessus et changer le programme d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est pas sûr que c'est ça qui est juste. Si tu es capable d'arriver à cette daga que marque la Mishnah, batel rotson, kham et rotsono, j'ai pas de rotson. Akadosh Baruch Hu veut que je sois ici, et bien je serai ici, je ne vais pas... Si il m'a mis dans un endroit, il n'y a pas minyan, je suis prié Hachem, aide-moi à sortir de là, prie pour une mitzvah. Mais si il m'a mis... Et ici, et puis j'aurais voulu être là-bas. J'aurais voulu, mais Hachem, il ne veut pas. Laisse le faire. C'est plus un homme est capable d'être me va-t-il heureux de son nom, j'annule, j'ai pas, j'ai besoin de rien. Je fais confiance à Hachem. Tout ce qui me dit, c'est bien. Dans ces conditions, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je dois prier pour ma Rouhani. Je peux prier, encore une fois, si je demande à qui douche Hachem, pour aider les gens à arriver à la Emouna. Je peux prier pour ma Rouhani. Et si par exemple, un monsieur il est malade, il n'a pas envie de mourir, ça existe, hein, il n'a pas envie de mourir. Là, il peut dire, Kadosh Baruch Hu, peut-être tu m'as fait un programme comme ça, mais moi je demande de changer de programme. Et si vraiment tu veux, tu peux demander. Encore une fois, ce n'est pas sûr que c'est toujours juste. Et il y a peut-être des tzadikim, j'ai connu des tzadikim, qui n'ont pas prié quand l'heure est arrivée. Ils disent, Hachem veut, voilà. Ils ont demandé à Mme Steinman. Et quand c'est que, comment il a dit le Noussar, combien de temps vous pensez que vous vivez encore, était déjà âgé? Et puis quand Kadosh Baruch Hu a besoin de moi, qu'il m'appelle, quand il n'a pas besoin de moi, qu'il me laisse ici, comme il veut, il fait. Ben, il était prêt à mourir du jour au lendemain, ben, Kacha, il va vivre du jour au lendemain, Kacha, mais comment Hachem décide? Pas nous qu'on décide. Ça, c'est veut dire, il y a des choses, encore une fois, ce que je vais expliquer, je conclue ce que je dis, la tefila, elle peut agir, si un homme il prie et il supplie pour changer le programme d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a mis un programme, on a dit tout à l'heure, un monsieur fait dans Shido, dépêche-toi, marie-toi vite, parce que sinon un homme peut prier, il peut te la prendre. Si c'est la tienne, elle était prévue avant que tu aies né, déjà elle était prévue celle-là. Oui, mais si quelqu'un prie, il peut te changer ton mazal. Donc dépêche-toi de faire un kinyan, comme ça personne ne t'apprend. Donc ça, c'est ce qu'on va expliquer ici. Qu'on peut parfois, par celui-là, arriver à dépasser la décision à Kadosh Baruch Hu, que ce soit dépassé. Kadosh Baruch Hu change sa décision par la celui-là. Ça existe. Est-ce que c'est juste ou non de prier? Ça dépend combien un homme est sommaire à la chaîne. En mesure où il a atteint cette daga qui est marquée ici, sans discuter, comme la chaîne nous amène. Ils n'ont pas fait une fois une seule plainte, et on a marre, ça fait 19 ans qu'on est au même endroit, il n'y a rien du tout à voir, on a déjà visité tout le quartier. J'ai connu un bahour, il m'a dit j'étais à Yeshiva dans un endroit, un petit village perdu à Chazon Yecheskel. Il m'a dit, je connaissais chaque pierre et chaque herbe de tout le quartier. J'avais 3 ans au même endroit, j'en pouvais plus, j'ai tout fait. Alors imaginez, Bnei Israël dans le désert, il n'y a même pas d'herbe.
Mais 19 ans, au même endroit, il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas de pizza, il n'y a rien. 19 ans, comme ça, au même endroit. Sans penser, une fois à prier à Kadoshbourg, peut-être pas bouger d'ici. J'ai mis, c'est pourquoi il est ici. Sinon, on n'aurait pas assez d'accord, on aurait prié. Et peut-être à chaque fois qu'on nous aurait exaucé, mais on n'aurait pas arrivé au tikkun qu'il aurait atteint de nous, qu'il aurait attendu de nous. Il y a un tikkun à faire à cet endroit. C'est ça que je dis, c'est la darga, plus un homme y grandit. Dans cette Mishnah qui s'appelle Batzel Rotsonra, Mipne Rotsonro, je n'ai pas d'autre attente que Rotson Hashem. Alors, comme ça, on s'azorait de pouvoir accepter et apprécier les choix d'Akadosh Baruch Hu en Benachat, en confiance. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est sûrement bien. On n'est pas là où on voulait être, mais on est là où Hashem voulait être. Voilà. Comme ça, c'est. J'ai entendu quelqu'un qui a dit ça, il y a un monsieur. Famille qui ont eu un enfant, misken, enfant trisomique, je ne sais pas, misken, parents, ils étaient très 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 déçus. Ça fait 9 mois qu'on attend un petit bébé, et Baruch Hashem, bébé, après, bah, sauf tu. Ils sont déçus. Et la réponse était de leur dire, c'est pas ce que vous attendiez, mais ce que Hashem voulait de vous. Si tu es honnête, Shalem, Batel, Rotsonra, que le jour où je suis là. Je suis là, tu m'as mis au monde pour éduquer mes enfants, j'éduquerai celui-là autant que tu me demandes. Vous savez, c'est difficile. Mais ça, c'est le tachlit qu'on doit arriver, pas tel, retournera. C'est une forme de bitachon, c'est un mot de savoir que le Shbourg décide et nous on suit. Yanni Avdecha, Ani Avdecha, Ben Amatecha, Shavu Atov, Umevorach.